Xavier Collette, 48-32 à la mi-temps. 20 premières minutes parfaites. Ouais, bah, je pense que c'est la meilleure mi-temps qu'on ait fait depuis le début de saison. On a vu en première mi-temps qu'on savait jouer collectif, la balle a bougé dans tous les sens et moi on s'était complètement perdu, que ce soit dans les contre-attaques ou sur jeu placé. On arrivait chaque fois à trouver la solution, à trouver l'homme ouvert. Et puis bon, aujourd'hui, par rapport à d'autres matchs, on a un peu mieux shoté et ça a bien aidé. Et puis en défense, bon, on a très bien joué en défense et ça nous a permis aussi d'avoir quelques paniers faciles qui nous ont bien lancé dans le match. Quelle a été la clé du match aujourd'hui? Bah, la clé du match, je pense que c'est surtout le mouvement de ballon qui a été très bon aujourd'hui. Meilleur en première mi-temps qu'en deuxième, mais je pense que c'est vraiment là-dessus qu'on doit baser notre jeu. Quand on fait bouger la balle vite et qu'on trouve chaque fois l'homme ouvert, on est beaucoup plus dangereux que quand on cherche l'exploit individuel. Il faudrait garder l'avantage de 13 points au retour, c'est possible? Oui, c'est possible. Bon, on a montré qu'on jouait, je veux dire, aussi bien en déplacement qu'à domicile, puisqu'on n'a jamais eu de grosses défaites. On a perdu quelques points au stand, on a gagné à Gand. Louvain s'était serré aussi. Donc, je pense qu'il y aura un match intéressant. 13 points, c'est beaucoup et peu à la fois. Donc, il faudra de toute façon faire un bon match là-bas. Merci, Xavier. Ouais.